Ohayo les amis, ohayo et bienvenue sur la matinale de Kabuki. Voilà, on y est, c'est déjà mardi 8 mars 2022. Il est bientôt 7h30 et on attaque direct la stratégie de bon matin. Triangle stratégie, on a bien avancé dans l'histoire. Dans la pause-déj d'hier midi, on a Franis qui est mort, le frère de Roland, deuxième prince de Glenbrook, et on a Maxwell aussi qui s'est sacrifié pour qu'on puisse partir du château du pont-levis en bateau. J'en suis rendu à peu près à la même j'en suis même au même chapitre dans ma partie perso, sauf que moi j'ai à peu près 10 heures de jeu de plus que notre stream, puisque j'ai fait beaucoup de combats d'entraînement, et du coup je sais pas si c'est lié, mais j'ai débloqué énormément de personnages. Du coup, je vous propose de continuer les streams sur cette partie-là. Comme ça, vous verrez un petit peu tous les personnages qu'on peut avoir dans le jeu. Donc voilà, on charge la partie. Et on est bien au chapitre 7, acte 1. Et quand on est parti donc du château de l'île Blanche, que Maxwell s'est sacrifié pour qu'on puisse se barrer. Et c'est parti. Je vais vous montrer un peu tous les personnages qui constituent l'équipe. Voilà, donc il y a tous ces personnages. Hein. Il y a Roland, ok, tout ça on connaît. Frédérica, on connaît. Anna, ok. Rudolf, c'est quand on prend la route des Frost, apparemment, puisqu'on a un magicien quand on prend la route d'Aizante. Lui, c'est le comptable qui nous avait, le conseiller qui nous avait rejoint en live, il me semble. Au Sabara, donc la tavernière. On a un magot qui s'appelle Narv. Alors, on va aller le voir. Et on va aller voir sa fiche. Voilà, petit-fils du grand magicien Grand Dante. Petit-fils autoproclamé du grand mage Grand Dante. Et dernier de ses disciples, ce jeune homme s'entraîne dur pour réhabiliter le nom et l'honneur de son défunt aïeul. Donc lui, il fait magie tout élément. Il fait vent, glace, il peut faire... J'ai pas encore fait de feu avec lui, je crois. On a Archibald aussi. Le gars qui nous fait du troc. Vieillard s'occupant du bazar, donc c'est un bazardeur. Hein. Installé dans le campement de Wolfort. Cet ancien soldat a survécu à la Grande Guerre avec seulement son arc et ses flèches. Donc c'est un Hokage de l'arc. Hein. Attristé du retour des conflits, il a décidé de se tenir aux côtés de Serenor sur le champ de bataille. Donc il nous accompagne et je pense que je vais bien le faire monter. Et maintenant on a le forgeron. James Marker, jeune forgeron maniant le marteau et l'enclume au campement des Wolfort. Donc c'est lui qui nous fait les améliorations. En charge de l'entretien et l'amélioration de toutes les armes, il va de lui-même sur le champ de bataille pour comprendre leur rôle et leur utilité lors des combats. Voilà, et je crois que je vous ai montré tout le monde. Ah oui, puis on a le marchand aussi. Le marchand qui nous accompagne. Lionel Capita, un négociant très habile, capable de se procurer n'importe quelle marchandise. Il s'est lancé à corps perdu dans l'art du commerce en suivant un principe simple. Le profit, c'est la vie. Donc c'est aussi un perso qu'on a et qu'on peut faire combattre maintenant avec nous. Il est là. Donc il a distraction, injure, et puis d'autres choses qui vont se débloquer. Pour le forgeron, j'ai pas encore essayé. Je l'ai eu hier soir. Apparemment, il peut poser des pièges et poser des échelles aussi. Pour passer au travers, par-dessus les murs, etc. Ça peut être pas mal. Bon, lui, il est niveau 7, je l'ai pas encore monté. Sinon, ils sont quasiment tous niveau 10, 11. Voilà, et je pense qu'il manque que 3 persos, mais ça m'étonne. J'espère qu'après ça descend. Il me semblait qu'il y en avait plus que ça.
On verra. Et on va partir. Je vais regarder s'il y a de l'amélio à faire, mais je ne pense pas. Et on va partir sur le scénario. Non, personne ne peut être amélioré. J'avais acheté aussi des anneaux. Bon, il me reste plus que 110 balles, donc c'est bon. J'avais fait les courses hier. Et on est reparti pour la suite de l'histoire. Donc chapitre 7. Les dignitaires du duché pénètrent de force dans le château royal de l'île Blanche pour en prendre le contrôle. On n'a que l'histoire principale, hein, si je dis pas de conneries. Ouais. Votre éminence, Sir Talas et Dame Erika sont arrivés. Merci pour votre aide, mon cher patriote. Vous pouvez vous retirer. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, faites-le-moi savoir. En ce cas, faites porter du vin et des fruits dans mes appartements. Bien, madame. Sur ce, je vous laisse. Je passe en mode studio. Hop, comme d'hab. Quel homme facile à décrypter. J'ai rarement vu un laquais aussi servile envers tous. Félicitations. Pour la chute de Glenbrook, tu es vraiment très fort. La confusion qui règne dans la capitale ne subsistera pas bien longtemps. Je le pense aussi. Les autres domaines ne devraient pas poser de problème non plus. Elior s'est terré dans son château. Et lorsque Falk aura remarqué nos manœuvres, il sera trop tard. Les trois grandes maisons de Glenbrook sont très renommées, mais elles ne tarifent pas à la cheville. J'ai envoyé Avlora s'occuper de Wolfort. Je lui ai ordonné de capturer le prince Roland. Puisque tu parles de Roland, j'ai une question. Qu'est-ce que sa sœur fait ici? Qui plus est assise sur le trône, on la prendrait presque pour la nouvelle reine de ce pays. Oh, mais c'est ce qu'elle deviendra? Qu'est-ce que ça signifie? Lorsque l'agitation sera retombée, je me proclamerai son tuteur et je la placerai à la succession du trône. Regna sera exécutée après-demain. J'ai déjà donné des ordres en ce sens à Patriot. Regna le sage tire enfin sa révérence. Oh non, père. Qu'ils sont machiavéliques. Peuple de Glenbrook, je suis l'intendant du duché des Frost et je m'appelle Gustadolf. Laissez-moi vous révéler le crime inexpiable commis par votre roi Regna. Trente années se sont écoulées depuis la Grande Guerre. Les hommes se sont tués à la tâche pour reconstruire leur pays. La nouvelle mine de Norzelia est un symbole. Nos trois pays devaient bénéficier de son exploitation. Un premier pas vers une paix durable. Mais cet homme, ici devant vous, le roi Regna, a foulé aux pieds ce principe et trahi cet espoir. Dès qu'il a obtenu nos outils, nos techniques pour exploiter la mine, le roi a immédiatement manigancé pour se l'accaparer.
Il a osé l'impensable en ordonnant l'assassinat de l'ingénieur Dragan Efrost, le seul homme qui avait découvert ses dessins. C'est un acte de trahison non seulement envers nous, mais aussi envers nous autres alliés, les terres sacrées de Isante. Envers nos autres alliés, pardon. Il nous fallait mettre un terme à cette folie. C'est bien malgré nous que nous avons été contraints de prendre d'assaut l'île Blanche. Mais tout ceci n'est qu'une réaction légitime à cette trahison, ainsi qu'une juste vengeance pour le meurtre de Dragan. Ô roi Regna, reconnais-tu les crimes dont tu es accusé ? Oui. Bizarre. Il a dû le faire chanter avec sa fille. J'en paierai le prix, mais par pitié, pas mes enfants ni mon peuple. Avez-vous entendu, peuple de Glenbrook ? Il a reconnu les faits. Par conséquent, moi, Gustadolf, intendant des Frost, condamne l'accusé à mort. Décapitez-le sur le champ. Roland, Cordelia, l'avenir est entre vos mains désormais. C'est trash. Quelques jours après la chute de la capitale, le roi Regna fut exécuté. L'annonce de sa mort bouleversa tous ceux qui la prirent. Partout, elle se répandit. Elle marqua la fin d'une époque, mais aussi le commencement d'une nouvelle ère de chaos. Alors, on a beaucoup d'histoires annexes. On a Falk, on a les faubourgs, Elior et Fort Valsablon. Bon, on va commencer par là. La nouvelle de la capitulation de Glenbrook parvient au fort de Valsablon à Isante, théâtre de l'une des plus sanglantes batailles de la Grande Guerre du Sel et du Fer. Vénérable Sorley, que t'arrive-t-il, Booker ? Nous avons été informés de l'invasion du royaume de Glenbrook par le duché des Frost. Pardon ? La capitale est déjà tombée entre leurs mains. Le roi Regna est exécuté et le prince Franis assassiné. Le prince Roland a pris la fuite en direction des terres de Wolfort et les forces armées du duché sont à sa poursuite. Ces imbéciles des Frost, que manigancent-ils ? Et les autres, je me demande ce qu'ils en pensent. Enfin, avant tout, je dois sur le champ m'entretenir avec son Excellence. Veuillez vous ressaisir, Vénérable Sorley. Cette situation pourrait s'avérer profitable, y compris pour la famille Yende. Profitable ? Oh, je vois. En effet, tu pourrais être dans le vrai. Ah, Booker, mon fidèle bras droit. La famille ND serait perdue sans toi. Envoie un oiseau messager à son Excellence pour lui dire que Sorley ND demande une audience. Très certainement.
Alors, qu'est-ce qui se passe à Teliore? Silvo Teliore, à la tête de l'une des trois grandes maisons de Glenbrook, semble manigancer quelque chose. Eh bien, qu'allons-nous donc faire plutôt? Il me faut réfléchir à comment survivre maintenant que le roi Regna est mort. Landoroi, Falkusuke va tepté kousan suru daro. Landrolfeig se battra sans aucun doute jusqu'au bout. Mais ce qui est encore plus certain, c'est que seul il perdra. Mais alors, si Wolford se joignait à lui? J'ai entendu dire que le prince Roland est avec les Wolford. Il y a de fortes chances qu'il s'allie avec les Falks. Quoique, est-ce vraiment sûr? Les Wolford pourraient à l'inverse s'assurer la pérennité de leur terre en remettant le prince à Aefrost. Qu'en serait alors fini des Glenbrook? Le prince et la princesse seraient sacrifiés ou manipulés? Devrais-je renoncer à mon pays et me soumettre à Aefrost? C'est peut-être l'unique choix qu'il me reste. Alors, les faubourgs Glenbrookins. Patriate, l'un des ministres de Glenbrook, fait mine de patrouiller dans les rues de la capitale afin de jauger secrètement la réaction de la population. Et Salisto, ben ça va bien et toi? Bienvenue, bon réveil. On progresse bien dans Triangle Stratégie. La population semble plutôt calme. Hey, à ton avis, on va devenir quoi? Il paraît que tous les chevaliers sont morts. Il vaudrait pas mieux partir le plus vite possible? Non, s'ils avaient voulu nous massacrer, les soldats l'auraient fait avant la prise du château. Je pense que les armées des Frost n'ont pas l'intention de nous faire du mal. À quoi bon se tracasser là-dessus? On verra bien comment ça se passe. La population semble moins hostile que je ne le craignais. Certainement parce que l'armée des Frost a concentré les attaques sur le château en évitant le plus possible les affrontements dans la capitale. Le peuple ne nous créera pas de problème. Quant à la famille royale, le sort du roi et du prince Franny est scellé. La princesse Cordelia est notre prisonnière. Il ne reste plus que le prince Roland, mais nous avons déjà envoyé un bataillon de troupes d'élite pour s'en charger. Nous avons aussi mis sa tête à prix dans tout le royaume. L'appât du gain saura bien rallier quelques-uns à notre cause. Du coup, Sto, tu continues Stardew Valley? T'es toujours à fond? Ou t'as changé de jeu? Ou est-ce que c'est ton jeu jusqu'à la mort? Sacré Gustadolf, il a vraiment pensé à tout. Je pense qu'on en a terminé. Allez, on rentre. Ok, dernière histoire annexe. Cité Falk. La nouvelle de la mort du roi arrive aux oreilles de Landroi Falk, qui avait combattu à ses côtés lors de la Grande Guerre. Alors on va voir s'il a la rage. Le roi est mort. Bon sang. Nous prétendons être de grandes familles et pas une seule d'entre nous a su sauver notre roi.
Pourquoi n'avons-nous rien vu venir? Pourquoi ne suis-je pas allé à votre secours? Mais désormais les regrets sont vains. Cela ne nous ramènera pas notre roi. Le prince Roland est encore en vie, et je dois à tout prix m'assurer qu'il le reste. Ok, on va pouvoir avancer le scénar du coup. Sire Serenor, vous êtes de retour, sain et sauf. Nous avons réussi à nous en sortir indemne, certes. Le château est la plus robuste citadelle du royaume. Une fois ici, vous pouvez vous considérer en sûreté, votre Altesse. Oui, sans doute. Toutefois, j'espère que mon père et Maxwell sont à l'abri du danger, eux aussi. C'est moche parce qu'ils sont morts, mais il ne le sait pas. Monsieur Bénédicte, un oiseau messager vient à l'instant d'arriver. Bénédicte, tu es bien pâle tout à coup. Qu'est-ce qui ne va pas? Prince Roland, jeune maître, je vous prie de m'écouter calmement jusqu'au bout. Il semblerait qu'il y ait eu lieu à la capitale l'exécution du roi Regna. Père, non, impossible. Roland. Bien que je comprenne ce que vous ressentez, l'heure n'est hélas pas encore au deuil. Vous êtes le dernier héritier de la famille royale. Il ne fait aucun doute qu'Efros s'en prendra ensuite à vous, Prince Roland. Sauf si nous agissons rapidement pour les en empêcher. Je vais sur le champ en parler à mon père. Sire Serenor, justement. Quoi? Il lui est arrivé quelque chose? Oh, ça tombe comme des mouches. Salut Gunther! Bienvenue. Et bonjour Kiminodou, merci pour le lurk. Merci, ça fait plaisir, ça soutient. Et ben bon courage pour emmener les filles à l'école, etc. Kimi. Ouais, ça va bien, Gunther. Bon, les grosses têtes du jeu tombent comme des mouches, hein, tous les darons, les rois, les seigneurs. C'est bien triste. Et là, on rentre en fait avec notre protagoniste chez nous. Et on apprend donc que le père de Roland s'est fait exécuter, le roi donc de Glenbrook. Et en voulant en parler à notre père, ben, on apprend qu'il a eu une autre crise cardiaque. Et là, il est alité. Simon, ça va. Sir Simon, que s'est-il donc passé? Il s'est évanoui après avoir appris que la capitale était attaquée et n'a pas repris connaissance depuis. Je ne peux pas croire une chose pareille. Le jeu, il est magnifique, l'OST sublime, je suis sous le charme. Ouais, et puis si tu sais prendre ton temps, que t'as pas peur de lire, prendre son temps aussi bien dans l'histoire que dans les combats, parce que c'est du tactical, et ben c'est un petit chef-d'œuvre, un petit bijou. On verra après à la fin du jeu si l'histoire des routes différentes, suivant les choix, etc., a bien été appuyée ou si c'est juste de la décoration sur le gâteau. Mais en tout cas, c'est un petit régal. Voilà. C'est vraiment les vieux jeux de l'époque
16 bits sublimés en 2D HD, quoi. Avec tout ce qu'on a bénéficié de moderne jusqu'à maintenant, ne serait-ce que les sauvegardes. Bah, tu vois, on peut sauvegarder quand on veut, on peut faire plusieurs sauvegardes, tout ça. On pouvait le faire déjà à l'époque, mais là, on n'a pas de pile dans une cartouche. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a des effets de lumière. En stream, j'aime pas, mais ça va être le jeu qui va me suivre pendant un moment en nomade. Oui, le streamer, c'est un peu compliqué, hein, parce que on voit que c'est un jeu de niche. Tu vois, là, j'étais tout seul ce matin, hein, jusqu'à presque 8 heures. Je sais pas si c'est un jeu fait pour le stream. En tout cas, moi, je vais le montrer en entier, pour ceux que ça intéresse. Et puis, moi, je me régale de le faire. Donc, mais c'est vrai que j'ai deux sauvegardes. Hein. Je le pousse aussi de mon côté en off, parce que je peux pas streamer tout le temps. Par contre, j'ai envie d'y jouer tout le temps. C'est impensable, mais pourquoi? Père, tenez bon, j'ai encore tant à apprendre de vous. Il y a encore tant à faire pour la maison Wolfort. Père, que devrais-je faire? Répondez-moi. Serenor. Avez-vous un pronostic quant à sa guérison? Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, mais... Je vois. J'ai toujours ma Switch avec moi, nous dit Gunther. Et c'est pour ça que c'est une console de la mort, parce que tu peux jouer sur la télé et l'avoir dans la poche. Tu peux juste mettre en veille, reprendre n'importe quand, à n'importe quel moment. On ne peut pas tester la Switch. Serenor, n'aie aucune crainte. Messire Simon est un homme robuste. Gunther, quand je disais en stream que c'était pour le rôle stream plus que viewer, après j'ai évité de trop me faire spoil. J'ai baissé le volume quand tu expliquais ce qui se passait. Ok. Ouais, bon, on est au chapitre 7, donc on est assez éloigné. Peut-être que tu auras oublié d'ici là, mais je sais pas. En tout cas, je comprends, il n'y a pas de problème. Serenor, n'aie aucune crainte. Messire Simon est un homme robuste. Merci, Roland. Mais s'il y a quelqu'un qui mérite des paroles réconfortantes, ce n'est pas moi. Ils sont en train de perdre leur daron. Enfin, il y en a un qui a déjà perdu son daron. L'autre, il est en train de le perdre. Le seul réconfort dont j'ai besoin est de savoir que je vais venger mon père. Maintenant, plus que jamais. Alors toi aussi, accomplis ton devoir et montre-toi à la hauteur de Sir Simon, veux-tu? Oui. Une missive vient d'arriver. Qu'est-ce donc? Allez, encore une mauvaise nouvelle. Le soldat chargé de savoir ce qu'il était advenu de la lance divine m'a chargé de vous remettre ceci. Mais c'est le masque de Maxwell. Il a été retrouvé aux alentours du pont-levis de l'île Blanche. Serait-ce du sang? Maxwell serait... Non, je ne veux pas y croire. Vous n'avez rien retrouvé d'autre que ce masque? Affirmatif. Et là, ces alentours du pont étaient jonchés de corps, rendant leur identification difficile. De plus, le courant rapide du fleuve complique toute tentative de poursuivre les recherches. Je vois. Bon, avec un peu de chance, il n'est pas mort, il va faire un revival. Merci de nous avoir prévenus. Vous pouvez aller vous reposer. À vos ordres. Maxwell, vous m'abandonnez donc, vous aussi? Je crois que c'est la goutte d'eau qui va faire craquer Roland, là. Ça serait cool qu'il mette son masque.
エスフロスト公国はホワイトホルム城に駐留している兵を集め、モルフォートに向けて。Le duché des Frost rassemblait les troupes en garnison au château de l'île Blanche et se dirigeait vers les terres de Wolfort. それは取りも直さず。C'était dans l'unique but d'enlever le prince Roland, le dernier héritier de sang royal des Glenbrook et désormais inattendu, prétendant au trône. Alors, l'armée des Frost s'avance vers le château de Wolfort. Le groupe de Serenor ainsi que Roland se trouve de nouveau en danger. Est-ce qu'on a... Non, on n'a rien de plus à faire. Donc on continue. Jeune maître, l'armée des Frost a commencé à avancer en direction de notre domaine. J'ai reçu un peu plus tôt une missive de l'intendant Gustav Dolph exigeant l'extradition du prince Roland. Et si je comprends bien, on est censé lui répondre avant que ses soldats débarquent ici ? J'en ai bien peur. De plus, il semblerait que les troupes soient dirigées par ce général Avlora. L'ennemi semble plus que déterminé à mettre la main sur le prince Roland, à ce que je vois. Réunissez tout le monde pour un conseil de guerre. Séance tenante. Petit conseil de guerre. Mais enfin, non, c'est hors de question, Bénédicte. Laissez, Frédérica, ce n'est pas grave. Poursuis, Bénédicte. Je disais donc, je vous repose une dernière fois la question. Devons-nous livrer le prince Roland au duché ? Je suis contre. À quoi aurait servi le sacrifice de Sir Maxwell ? Elle a raison. Le Sir Maxwell nous a dit qu'il nous confiait le prince Roland. Et au lieu de ça, vous osez. Ce château est une forteresse naturelle. Elle sera parfaite pour protéger le prince. Mais le duché s'est déjà emparé de la capitale. Il tentera de faire de même ici, en y envoyant peut-être plus de troupes. La disposition des lieux jouerait contre nous si nous devions affronter toute une armée. Nous n'avons aucun moyen de fuir. Et alors, ce n'est pas une raison pour capituler. La vie du prince est en jeu. C'est précisément ce pourquoi j'estime que la maison des Wolfort n'a pas l'obligation de verser son sang. C'est à moi de me battre. Vous faites erreur, mon prince. Les Wolfort sont la plus puissante des trois maisons qui protègent le royaume. Nous ne pouvons trahir nos responsabilités. Ça ne me dérange pas. Je vais partir d'ici et comme ça, ce château ne deviendra pas le théâtre des combats. Il n'y a qu'une seule solution. Tu n'es pas du genre à tergiverser, je crois. Eh bien, pour ma part, je refuse de penser qu'il serait normal de faire un sacrifice. Jeune maître, nous ne pouvons pas laisser nos terres se transformer en champ de bataille. Notre devoir est d'en protéger les habitants. Vous devez prendre une décision. Ok. Alors soit on protège le fils du roi qui est aussi notre ami au prix de sacrifice de nos habitants en fait. Soit on le livre. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? À brûle pour point, je ne peux pas. Y a-t-il seulement une solution ? Un vassal se doit de protéger son prince, mais je dois aussi penser à la sécurité des habitants. C'est un peu ce que je me disais. Nous ne gagnerons rien à affronter le duché, mais si nous laissons faire, nous perdrons beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on répond ? C'est un petit peu la même chose, mais tourné différemment. Je
Je vais prendre le deuxième. Un vassal se doit de protéger son prince, mais je dois aussi penser à la sécurité des habitants. Shinkanara, Ojo o mamotte tatakau beki da. Daga, Sereno wa kuro o kakete suman. Désolé de t'en demander tant, Serenor. Mais ne t'inquiète pas, je porte la responsabilité de la couronne. Pense d'abord à la maison Wolfort. Je vois que tu es déjà prêt à en découdre. Jeune maître, vous êtes à la tête de notre maison. Vous êtes le seul habilité à trancher et arrêter une décision. Fort bien, Bénédicte. En ce cas, prépare la balance des convictions. Devons-nous livrer le prince Roland au duché, oui ou non? Je veux l'avis de chacun d'entre vous. Et Bane, c'est la deuxième fois qu'on va utiliser la balance dans le jeu. Quand l'heure de la délibération sera venue, je vous le ferai savoir. D'ici là, je veux que chacun de vous réfléchisse bien. Entendu, séparons-nous. Les avis sont partagés. Que suis-je censé faire désormais? Je n'en sais pas assez sur la situation actuelle. Je devrais aller parler aux habitants du bourg. Désirez-vous aller en ville? Oui, je veux jauger l'humeur générale de moi-même. On va investiguer. Faites-moi signe lorsque vous voudrez nous rejoindre à nouveau. Entendu, merci. Quand j'en aurai terminé avec les habitants, je devrais revenir parler aux autres. Alors, ils sont 3 versus 3. Protéger et déclarer la guerre au duché. Donc protéger Roland, ouais. Ou alors livrer Roland et éviter la guerre. Et on a Anna qui est indécise. Ok. J'étais terrifié en voyant dans quel état désastreux vous étiez revenu, jeune maître. J'ai appuyé trop vite, je sais pas ce que j'ai gratté. Est-ce que c'était un bouquin? Non. Sûrement quelque chose dans l'inventaire. Allons-nous vraiment devoir subir à nouveau une guerre? Tout cela me rappelle la Grande Guerre il y a 30 ans. Et Frost et Glenbrook s'étaient alors alliés et avaient lancé une attaque surprise sur Isante. Isante, mis en péril par cet assaut, s'est tourné vers la maison Wolfort, qui était alors indépendante, et tous deux ont formé une alliance. Cet affrontement, qui impliquait désormais tout Norzelia, a empiré et les troupes de toutes les nations étaient de plus en plus exténuées. Oui, mon père, qui ne supportait plus de voir cela, a approché le roi Regna de Glenbrook afin de conclure un accord de paix. Exact, ils ont joint leurs forces pour convaincre Frost et Isante de s'étendre et ont amené la paix sur tout le continent à nouveau. J'arrive tout de suite, j'ouvre au chat. Un grand classique des matinales. Et on se refait une petite moonwalk. Les Wolfort furent par conséquent appelés au service de la famille royale et sont devenus la maison de guerriers la plus reconnue du royaume. Sir Serenor, soyez prudent, réfléchissez bien à vos prochaines actions dans ce conflit. Alors, je ne pensais pas que le titre de chef de la maison entraînerait autant de responsabilités. J'imaginais naïvement que la paix perdurerait.
Se contenter d'en dire à ce qui se passe serait futile. Pour obtenir une position avantageuse, il nous faudrait prendre l'offensive et changer la situation à notre avantage. Mon père s'est battu pour le nom et la réputation de notre famille. En tant qu'héritier, je ne pourrais me permettre de les souiller. Je vais choisir la troisième proposition. Un héros qui se bat pour la justice et pour le bien de son peuple. Nous sommes fiers d'être citoyens de Wolfort. Cependant, Messire a une réputation est difficile à protéger et bien vite souillée. Soyez prudent dans vos décisions et vos mouvements. Oui, je tâcherai de ne pas oublier vos paroles. Alors, l'objet chronique Norzelienne, volume 11, a été ajouté au cahier. La célèbre faculté de magie curative de Isante est un centre de recherche médicale et magique situé dans la capitale des Terres Sacrées. Les chercheurs les plus accomplis du pays étudient les sorts, les traitements, les médicaments et jusqu'à la vie elle-même. Tous les croyants de la déesse partagent les fruits de ce travail. Ils bénéficient de soins médicaux d'excellente qualité en cas de blessure ou de maladie. L'espérance de vie à Isante est en conséquence élevée. L'avancement de la médecine et des recherches est considéré comme l'une des nombreuses bénédictions que la déesse accorde à ses adeptes. Une chercheuse que j'ai rencontrée m'a dit un jour dans les couloirs de la faculté « Ce monde est peut-être dépourvu d'omnipotence et de miracles, mais il est aussi, j'en suis sûr, dépourvu d'impossibles. » Je ne saurais dire si ces paroles provenaient de sa confiance en ses croyances ou en son propre talent, car je ne connais ni les enseignements de la déesse ni ceux de la médecine assez bien pour en juger. Ça a l'air pas mal, Isante, on n'a pas visité encore. Aujourd'hui, tout le monde a l'air mal à l'aise, ça se voit sur leur visage. Et vous, Sir Serenor, comment allez-vous? Sympa. Saviez-vous qu'on raconte qu'un mécanisme de défense secret serait dissimulé sur les terres de Wolfort? Un système qui permettrait de repousser les ennemis introduits dans le bourg. Je me demande pourquoi il est gardé secret. Un dispositif secret, c'est une information à prendre avec des pincettes. Même si nous parvenions à trouver une issue à la situation actuelle, il faut penser aux dommages que le peuple pourrait subir. Donc on a obtenu une info sur un mécanisme en ville. Il se raconte qu'un mécanisme aurait été installé en secret dans le bourg du domaine des Wolfort pour repousser tout éventuel envahisseur. Personne ne sait s'il existe réellement, mais une chose est sûre, il ferait de gros dégâts aux habitations. Ah ouais. Parce que c'est un canon géant qui est sous terre et qui va éclater les maisons en sortant. Mais pourquoi donc le duché nous attaque-t-il? Il y a peu, nous travaillions pourtant ensemble au projet de mine commune. Et les fiançailles de Dame Frédérica n'étaient donc pas une offre d'amitié de leur part? La conduite des Frost est une véritable trahison, je ne peux pas laisser passer une telle offense. Pour être honnête, je ne sais pas que penser non plus. Cependant, je suis certain que Frédérica ne savait rien du tout de cela, ne lui en voulait pas. Ou alors, les relations entre nations dépendent de leur intérêt. Amis ou ennemis, rien n'est définitif. Quoi qu'il en soit, j'espère que les pourparlers pourront éviter un conflit. On va rester sur la deuxième proposition. Oui, après tout, il s'agit de votre promise, Sir Serenor. Nous aussi, nous voulons lui faire confiance. De plus, Dame Frédérica est la sœur de l'intendant. Le duché n'attaquerait tout de même pas un pays qui l'a accueilli, qu'en pensez-vous? Oui, vous n'avez pas à vous en faire, je protégerai le domaine Wolfort. Voilà qui est bon à entendre. Sans manquer de respect à la famille royale, je ne voudrais pas me retrouver pris au milieu de batailles sans raison. C'est ce qui va arriver. Et coucou Sonia, comment tu vas? Comment ça va ce matin? Alors on a obtenu du fer de qualité. On va parler au miaou miaou. Voilà. Et je crois qu'il n'y a plus rien à gratter
Ben, ça va bien. On est déjà mardi. Alors, on a parlé à tout le monde. On a un choix difficile à faire dans l'histoire, là. C'est soit protéger le prince Roland au prix d'une bataille, certainement, parce qu'il y a des, il y a une armée qui arrive sur notre domaine, là, et qui risque de tout massacrer pour récupérer le roi, le prince, pardon. Soit on le livre et on protège nos habitants, mais ça reste quand même notre, notre super pote, le fils du roi, et on est le vassal, en fait, de Roland, donc ça serait moche de le livrer, même si lui-même veut se livrer pour éviter un massacre en ville, quoi. Donc là, je suis en train de prendre la température auprès des habitants, et après je vais devoir faire un choix, parce que du côté du conseil, c'est 50-50, et il reste Anna qu'on pourrait faire, qui est indécise, donc on pourrait faire pencher dans la balance. Nous continuerons à la capitale, je vous aurai tout de suite, ils ont bloqué l'accès à la grande route. Je me demande bien ce qu'ils fabriquent. Ils veulent la mort des petits commerçants ou bien? Je n'aime pas être à la place des habitants de la capitale. Je n'aimerais pas être à la place des habitants de la capitale. Heureusement, ils ont pour eux le fameux Maxwell, la lance divine. Mais si par malheur ce dernier venait à périr au combat, ce serait sans doute fini de Glenbrook. Bah, apparemment il est mort, mais on n'en est pas certain. Dire que Maxwell s'est sacrifié pour que nous puissions nous enfuir. Nous ne pourrons jamais l'oublier. Alors, on a eu des infos sur la lance divine suite à cette discussion. Le maître d'armes du prince Roland, Maxwell Trior, dit la lance divine a affronté seul le général Avlora pour permettre à Roland et à Serenor de prendre la fuite et rester introuvable depuis. Son masque, récupéré après avoir dérivé sur la rivière, est désormais en la possession du prince. Ça, on le savait, hein, parce qu'on l'a vécu. Je crois qu'on a tout fouillé. Hein. Là, on a parlé à tout le monde. Est-ce qu'on est allé ici? Non. La rumeur selon laquelle la capitale est assaillie serait vraie? Mais qu'est-ce qu'il peut bien se passer? Maman n'est pas comme d'habitude. Elle a peut-être vu quelque chose d'effrayant. Il n'y a pas de cadeau chez vous? Non. La capitale royale attaquée par Efrost, mais que faisaient les nobles de la ville pendant ce temps-là? Un avis de recherche ordonnant de capturer le prince Roland vivant est en circulation. Le prince de Glenbrook recherché, que va-t-il donc advenir du royaume? Les avis de recherche mentionnent qu'il doit être capturé vivant. Efrost n'a donc pas l'intention de l'exécuter pour le moment. Je ferais mieux d'en informer les autres. Donc ça, c'est une bonne info aussi. Du coup, on pourrait le livrer en manigançant un plan. C'est-à-dire le livrer et aller le sauver. Puisqu'ils ne veulent pas sa tête pour l'instant. Mais bon, ils veulent peut-être l'exécuter sur la place publique. Ou alors... ou alors on résiste, mais on met en danger Wolfort, les habitants, quoi. Allez, on revient à la salle du conseil et on va voir. Le chat veut sortir. J'arrive. Un peu de temps parce qu'en fait le chat veut sortir, et puis quand on ouvre la porte il reste en plein milieu.
son trip. Un peu perché les chats parfois. Du coup, il va falloir prendre une décision les amis, on a 13 minutes pour ça. On va parler à tout le monde. Si la paix doit revenir au prix d'un sacrifice humain, alors je n'en veux pas. Je sais bien que le problème est épineux, mais je préfère essayer de trouver un moyen que tout le monde puisse survivre. Je sais pas si tu m'avais parlé, j'attendais pas avec la cafetière. Bon, je te raconte un peu l'histoire. Tout simplement. Alors. Si la paix doit revenir au prix d'un sacrifice humain, alors je n'en veux pas. Tentez de convaincre. Nous devons livrer Roland au duché. J'ai pas d'autre choix en fait. Ça, j'avoue que je ne sais pas moi-même. Est-ce qu'on livre le prince, sachant qu'ils veulent pas, ils le veulent vivant, mais on ne sait pas ce qu'ils vont en faire après. Ou est-ce qu'on le défend au prix du sacrifice de tous en fait. Est-ce qu'on en protège un et on sacrifie tout le monde ou l'inverse. Je pense qu'on va le livrer. Est-ce vraiment votre intention que de sacrifier la vie du prince? Alors malheureusement oui, dans notre situation, nos chances de gagner sont infimes. Si nous nous obstinons, tout le monde mourra. Seul le sacrifice du prince peut garantir la survie du peuple. La lance divine s'est sacrifiée pour nous protéger. Ce ne doit pas rester vain. C'est vrai. Mais justement, Sir Maxwell n'accepterait jamais de sacrifier le prince. Je ne peux pas l'accepter, même si vous me le demandez. Pardonnez-moi, mais je ne sais vraiment plus quoi penser. Il semblerait que vous n'ayez pas vraiment réussi à persuader Frédéric. Si le duché récupère le prince Roland, il pourrait très bien le garder en vie pour s'en servir à des fins politiques. J'ai l'impression que c'est exactement ce que l'ennemi essaie de faire. Si vous cherchez à préserver les espoirs du pays, il serait plus judicieux d'écouter le prince. Ouais, je suis en phase. Le royaume de Glenbrook a absolument besoin du prince Roland. Nous devons le protéger coûte que coûte. Nous ne pouvons pas livrer ainsi le futur roi de Glenbrook à l'ennemi. Que pensez-vous de tout cela, Sir Serenor? Alors, nous ne pouvons pas sacrifier le peuple pour garantir la survie d'un seul homme. Je dois préserver la paix sur les terres du domaine, c'est aussi la volonté du prince. Le duché pourrait tout à fait garder le prince en vie, mais si nous résistons, leur armée nous exterminera. Ce royaume aura-t-il encore un avenir si le prince devait disparaître? Pour ma part, je pense que non. Perdre le prince serait perdre tout espoir. Je serais plongé dans une nuit sans lune pour nous guider. Sir Serenor, je vous repose la question. Avez-vous réellement l'intention de livrer le prince? Alors, soit nous le faisons, soit nous tuerons. En tant que maître du domaine, je dois protéger ses habitants. Oui, nous n'avons pas d'autre choix. Suis-je donc censé accepter sans broncher de livrer le prince à l'ennemi pour éviter la mise à feu et à sang de la région? Vous êtes impitoyable, Sir Serenor. J'imagine que cela est dû à votre rang. Au bout du compte, la décision risque de m'être très difficile. Huguette semble être en pleine réflexion. Serenor. Tu dois choisir entre ma vie et celle de ton peuple. Normalement, la question ne se pose même pas. Décide ce qu'il te plaira. Quelles que soient tes conclusions, je m'y plierai. Ce n'est plus le moment de nous opposer bec et ongle au duché. D'ailleurs, si la vie du prince est votre priorité, il serait plus en sécurité aux mains de l'ennemi. Es-tu en train de me dire que le duché veut récupérer Roland pour s'en servir comme une marionnette politique? Exact. Exactement. Pensez aussi à la princesse Cordelia et au sort qui pourrait lui être réservé. La maison Wolford sert la couronne depuis des générations. Nous ne pouvons pas livrer le prince à l'ennemi. Nous avons une dette immense envers le roi. Nous devons protéger son fils. Mince.
Le prince Roland est le futur souverain de son royaume. Vous pensez vraiment que ce serait juste de le livrer à l'ennemi? Alors nous n'avons pas le droit de sacrifier le peuple. Nous devons limiter les pertes au maximum. C'est le prince en personne qui veut se sacrifier. Il faut limiter les pertes parce qu'on ira le sauver de toute façon. Je sais que c'est une réalité bien concrète, mais le nombre de morts ne justifie pas tout. Votre père aurait... Non, pardon, je n'ai rien dit. Si le prince venait à mourir, le royaume disparaîtrait avec lui. Et alors le sort de ce domaine serait acté. Jeune maître, d'après vous, qu'en est-il de nos responsabilités envers Sa Majesté Regna? J'espère que le café sera bon, Sonia. Alors je dois me protéger... Tu me dois de protéger le peuple en mémoire de Sa Majesté. À quoi bon nous maintenir dans nos obligations? Sa Majesté est morte. Je suis le chef des Wolford, c'est ma décision. Ok. Voilà de belles paroles, je n'ai rien à ajouter. Vous êtes devenu un homme admirable, jeune maître. Erador, penses-tu que le duché pourrait envahir et saccager nos terres? Cela me préoccupe tout autant que vous. Mais c'est une épreuve qu'il nous faut affronter. Justement, nous devons absolument gagner, mais nos chances sont trop minces, alors pas maintenant. Vous voulez attendre une meilleure occasion? Ça sonne comme du Bénédicte tout craché. Vous pensez que c'est le seul moyen d'y parvenir si nous souhaitons réellement affronter le duché? J'ai compris ce que vous pensez de la situation, jeune maître. Il nous reste encore un peu de temps. Voulez-vous bien vous enquérir de l'avis des autres? C'est bon, on a fait vaciller Erador et Anne, on va voir. Faut-il livrer le prince? Faut-il sauver cette maison ou le royaume tout entier? Quelle est notre priorité absolue? Alors, nous devons continuer à protéger Roland. Nous devons livrer Roland au duché. Sir Serenor, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Je cherche surtout à gagner du temps. Mon devoir est de protéger la population. Gagner du temps pour protéger la population. Je vois, même si nous voulions protéger le prince, rien n'est prêt pour cela. Vous cherchez donc à gagner du temps pour nous réorganiser, quitte à livrer temporairement le prince à l'ennemi. C'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que, d'après vous, nous devons impérativement livrer le prince Roland. Êtes-vous vraiment sûr que ce soit la bonne solution? Le sire Maxwell s'est sacrifié pour protéger le royaume. Il ne doit pas l'avoir fait en vain. Roland est mon maître, je dois respecter ses décisions. Si la population devait en pâtir, Roland ne se le pardonnerait jamais. On reste sur la lance divine. Sauf votre respect, Sir Serenor, le sire Maxwell a confié l'avenir du royaume au prince Roland. Et je pense qu'il ne trouverait pas le repos si le royaume devait survivre sans le prince. Merci de m'avoir confié vos pensées. C'est bon, on l'a fait vaciller. Est-ce qu'il faut aller à la balance? Oui. Je pense que là, on a parlé à tout le monde. On va voir qui vote quoi. C'est parti. Bien, passons au vote. Livrer Roland ou non? Veuillez faire part de votre conviction à la balance. Pardon, mais je ne peux pas accepter votre décision. Au risque de paraître présomptueuse, je pense que ceci est le bon choix. Livrer le prince Roland, je ne pourrai jamais faire une chose pareille. Quant à moi, je suis du même avis que le jeune maître. Balance des convictions, montre-nous la voie qui a été choisie. Suspense.
Protéger Roland et déclarer la guerre au duché. Ah, livrer Roland et éviter la guerre avec le duché. On a gagné, les amis. La balance a parlé, notre voie est tracée. Nous livrerons donc le prince Roland à Ifrost. Très bon le café, Sonia, j'avais pas vu. J'étais à fond dans l'histoire. C'était la meilleure chose à faire. La balance a parlé. Poursuivons sur cette route. Je n'arrive pas à y croire. Roland, pas un mot de plus, Serenor. Je n'oublierai pas tout ce que tu as fait pour moi. Et vous tous, n'oubliez pas que vous avez agi pour une même grande cause. Et Roland quitte notre équipe. J'ai bien fait de pas tout miser sur lui. Mais on va le retrouver, je pense. J'espère. On l'a pas envoyé vers la mort. Dans l'hésitante balance de mes sens. Fin du chapitre. Sauvegarder, oui. On est sur ma sauvegarde perso. Ce qu'on pourrait faire... Hey Amai, lol. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être le... ne pas le livrer dans l'autre sauvegarde qu'on fait en stream. Ça pourrait être une... On pourrait se faire du multi-route en stream, mais ça prendrait quand même des plombes. Mais pourquoi pas. On est arrivé à un deuxième grand choix, Amai. Je te spoil pas. J'espère ne pas t'avoir spoilé. Mais c'était une décision délicate, on va dire. Les Wolfhorts extradèrent le prince Roland au duché des Frost, qui leur accorda en retour sa protection. Je fais des plombes, mort de rire. De même, la maison Tellior, l'une des trois grandes familles de Greenbrook, renonça à ses terres. Ils décidèrent de capituler face au duché des Frost. Bonne idée, nous dit Sonia. Ouais, on pourrait faire ça. Ça va, ça te plaît, Sonia, l'histoire du jeu? Je trouve pas ça trop... Y a pas trop de blabla pour toi? Et bonne journée Kimi, c'est bientôt la fin du live, effectivement. Sonia va bientôt nous laisser pour aller bosser. Et moi-même également. Est-ce que tu streams ce matin, Amai? Est-ce que tu prends le relais? L'annonce choqua tout le royaume de Glenbrook. Le coup fut particulièrement rude pour la dernière des trois grandes familles, les Falk. Chapitre 7, acte 2, le foyer horrible du bûcher. Aïe, aïe, aïe. Je crois qu'on va devoir... Est-ce qu'on a sauvegardé? Je sais plus. On va sur la scène. Votre éminence, j'ai ramené le prince Roland. Gustaldolf, espèce de chien. Tu as tué mon père, mon frère. Je me vengerai, tu m'entends? Je me... Ne l'abîme pas trop, il ne sera encore utile. Ah, j'avais raison. Je ne peux pas le laisser vous menacer, monsieur. Allons bon, le prince est un peu chagrin, c'est tout. Il finira bien par se calmer. Cordelia. Cordelia. Frère. Relâchez-le. Laissez-le donc, Avlora. Oh frère, je suis si heureuse de vous revoir. Est-ce que vous allez bien? Êtes-vous blessé? Je n'ai rien. Je suis bien content de te voir saine et sauve, Cordelia. Nous parlerons plus tard. Je suis sûr que Monsieur l'Intendant nous y autorisera.
Vous avez raison. Prince Roland, tu n'ignores pas la situation dans laquelle se trouve ton royaume. Nous occupons désormais la capitale, et deux des trois maisons protectrices nous ont fait allégeance. Mais la dernière famille au service de la couronne, celle des Falk, ne semble pas encore décidée à nous obéir. Et donc je suis censé aller convaincre Landroy, c'est ça? Pourquoi chercher à convaincre quelqu'un que l'on peut simplement tuer? Tu en donneras l'ordre aux Wolfhorns qu'ils aillent mater la rébellion de Landroy Falk. Tu as perdu la tête? C'est hors de question. À mon humble avis, un prince devrait se soucier avant tout du peuple qui le soutient. Qu'est-ce que tu insinues par là? Landroy finira tôt ou tard par tenter de nous déloger. La ville deviendra un immense champ de bataille. Il est des devoirs d'un roi d'empêcher les guerres, autant que possible. Surtout s'il se soucie du devenir de son peuple ou de sa jeune sœur. Espèce de... Je compte sur ta coopération, ton Altesse. C'est de plus en plus machiavélique. Sauvegarde en cours, ok. J'aimerais bien faire une vraie sauvegarde. Ok, c'est bon. Bah du coup, à Mike, tu ne m'as pas répondu. On va retourner à l'écran titre, sauvegarder, non, c'est déjà fait. Et je vais regarder qui est-ce qui stream, qui est-ce qu'on pourrait aller voir. Il y a Linka, du Guac. Je sais pas depuis combien de temps il streamait déjà hier soir. On peut aller le voir, allez. Toujours sympa d'aller voir Linka. Pardon pour le bruit dans le micro. Alors je prépare le raid. Le raid a été créé. On prépare le goodbye de l'hiver. Donc moi je vais aller taffer et puis on se retrouve à la pause déj. Hein. On continue l'histoire. J'espère que ça vous plaît. Soit on reprendra pour un autre chemin, soit on continuera cette sauvegarde. Vous me direz. Le goodbye de l'hiver est prêt. Des bisous, des checks. Bonne journée. Merci d'avoir été là et j'espère que vous prenez du plaisir pour cette grande histoire qu'est Triangle Strategy. On se retrouve à midi et demi. Bye bye! Et restez pour le raid, ça fait toujours plaisir! Et n'oubliez pas les réseaux sociaux du Kabuki, on a une chaîne YouTube, on a un groupe sur Facebook, et puis il y a toujours le Twitter. Voilà, vous avez tous les logins, tous les pseudos pour trouver mes réseaux sociaux. Bye bye!